Voilà, alors je vais vous filmer le bas, la terrible côte de la montée de Clavoyon. Donc là on est déjà à 11% et ça va monter fort là. Je vais pouvoir voir avec la caméra, comme c'est dur, je vais pas trop parler. Je vais simplement dire les chiffres en pourcentage qu'on atteint de pente. Là on a 12. Toujours 12%. Il me reste une vitesse à passer. Passage à 10% et ça va remonter de plus belle. On va atteindre les 20% à un endroit. Ça remonte dans le village. Je viens de mettre au 34. On a des passages jusqu'à 14% et là en face ça va être un peu plus dur. Alors, on va remonter sur du 20%. Vous allez voir en face tout de suite la pente va s'incliner et là ça va faire très mal. Alors j'ai encore 25,1 de moyenne mais ça baisse. Hein.
ça remonte. Ça va remonter plus fort là. On approche du passage difficile. Là, on est sur du 10%, c'est comme le galibier, on va dire. Et là, ça va être brutal dans 100 mètres. Voilà, c'est là que ça a commencé à être dur. Ouais, 13% là. 14. Seize pour cent, 17, 14% ici. Au-dessus, on entend l'autoroute. J'ai pas monté trop vite, vous pouvez entendre. Au cardio. Je suis pas essoufflé. Voilà, j'en garde pour pouvoir. Garder mon énergie le plus possible. Et la côte n'est pas finie. Hein. Ça monte encore à 8-10% ici. Arriver à baisser en chaud, marque là il y a encore 10% de moyenne de pente. Alors, c'est sûr que là il y a un petit replat à 7%, ça fait du bien. Ça permet de récupérer. Mais la montée n'est pas finie. On n'est pas tout à fait abaissé en chaume.
Voilà, après on va reprendre la vallée de Luche. Il n'y a plus que 5% ici. Ça va remonter encore un petit peu là. Et la montée sera terminée, la montée de Clavoyon. Pour l'instant, il y a 41 km. La moyenne est redescendue à 24,2. C'est normal avec la pente, on perd forcément. Là, c'est encore à 7%, mine de rien. Ça remonte sur baissé en chaume. Et après, ça devrait redescendre un peu. Alors on va prendre la vallée de Luche. Ouais, encore 10% ici, hein. C'est une des côtes les plus dures du Côte d'Or. Et encore, j'ai pas enregistré la montée depuis le bord, hein. Vous voyez, encore 11% ici. Sur la fin de la montée. On arrive à baisser en chaume. Là, voyons baisser en chaume. Il y a toujours 5%. Alors, on va arriver au sommet. Allez, c'est bon, c'est le sommet.